Les nuances à la mandoline vont se faire surtout en déplaçant la main pour jouer de plus en plus fort, je me rapproche du chevalet, et de moins en moins fort, je me rapproche de la touche. La deuxième chose à bien savoir, c'est donner du poids de la main pendant l'attaque ou pendant le trémolo. Si je veux jouer piano, si je veux faire un crescendo, je me rapproche du chevalet, des crescendos. Je me rapproche de la touche.